Bonjour à toutes et à tous, ici Jaco pour vous servir. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 14 de notre Let's Play sur Pokémon Volt White 2 Fusion. J'espère que vous allez tous agréablement bien. Vous l'aurez vu du coup en intro, j'ai tenu ma promesse. On a eu encore deux nouvelles évolutions. Purée, je vous régale en ce moment, c'est plutôt cool. On n'a pas trop l'habitude de voir des évolutions, donc on se fait plaisir sur ce Let's Play, on se fait plaisir. Bref, la dernière fois, eh bien, on avait enfin vaincu Bardan et récupéré notre cinquième badge. Malheureusement, dans la bataille, on a perdu Victoria. Je suis dépité, putain, Victoria, sincèrement, elle me manque déjà, elle était si belle. Drata qui est... ouais, je crois que c'est mon troisième Pokémon préféré. Enfin, faudrait qu'un jour que je vous fasse une vidéo, bon, peut-être un truc comme ça. Peut-être pour les 1000 abonnés, il y avait quelqu'un qui avait suggéré de faire une vidéo top 10 de mes meilleurs Pokémon. Pourquoi pas, pour les 1000 abonnés. mais ouais, Drattak, c'est un de mes Pokémon préférés, et cette petite Victoria a été tellement cool, je suis tellement dégoûté. Mais bon, on a quand même eu de la chance à la fin en récupérant un Pokémon qui, vous allez le voir, disons que s'il peut avoir accès à Danslam... Aïe! Le jeu est terminé en fait. Terminé clairement. Bon, il a une faiblesse x4 au sol. On va falloir faire très attention au futur séisme. Mais vous allez le voir, Akemi. Elle fait mal. Elle fait très très mal. Bref, du coup, Félicité, on va faire un petit tour de table hein, pour voir ce qui a changé. Notre petite Félicité, du coup, feu électrique. Je ne vous l'ai jamais dit, mais je rêve secrètement que la. Enfin, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie que le prochain starter feu, il soit feu électrique. Je sais pas pourquoi. Mais je trouve l'alliance des deux très intéressante. Alors je sais pas au niveau des résistances, des faiblesses que ça donne, mais juste en termes de style, regardez Simiabraz et la fusion entre Simiabraz et un Electek, c'est... Non, et les câbles. C'est tellement stylé, je veux dire, voilà, il y a des choses à faire, du coup, elle a obtenu le talent motorisé, qui augmente sa vitesse si elle est touchée par une capacité électrique, c'est pas... Bon, c'est sûr que c'est mieux que si elle avait eu Brasier, mais bon, elle a 124, 132, enfin, très intéressante. Vous le voyez à l'écran, elle a des attaques un peu fumées. Voilà, voilà, je sais pas pourquoi, mais oui, elle peut apprendre tout ça, donc malheureusement en termes de PP, c'est pas trop ça, mais, ça fait mal, donc c'est cool. Ça fait mal, mais c'est cool. du coup, Amy, ensuite, qui a toujours synchro, qui a de bonnes stats, hein, 142 quand même en attaque spéciale, c'est vraiment pas mal, et 146 en vitesse, donc c'est vraiment incroyable. Qui a frappe si, du coup, c'est tout ce qui a changé, ouais, le reste n'a pas trop changé. Ça, c'est Abigail, ça, c'est Phil, ça, c'est Mélodie. Mélodie, on regarde les stats, on a, on a des Pokémon de... Waouh. Et enfin, Akemi, avec 182 d'attaque. Yes. Ça nous rappelle notre petite Paulette. Et en plus, elle a impudence. Par contre, elle a un énorme désavantage, c'est le fait qu'elle a pas d'attaque. À part canon graine, vraiment, elle a aucune attaque. Lumino-canon avec 96 d'attaque spéciale, c'est peu utilisable comparé à nos autres Pokémon. Abîme, on n'en parle pas. Et rugissement, bon voilà quoi, c'est rugissement. Mais bon, canon graine, c'est quand même une très bonne attaque. Surtout qu'en plus, on n'en a pas d'attaque plante. Donc voilà. Bref, en tout cas, notre équipe est clairement chaude, clairement bonne, clairement bien. Enfin, j'ai pas d'autres adjectifs. Je vais juste du coup prendre Smidashu et qu'on va remplacer par, eh bien, Amy, qui malheureusement, en vrai, ah, quoi que, on a quoi, on a Phil en double. Et maintenant, on a Akemi. Donc ouais, Phil, Amy, pardon, on n'est pas, je vais avoir du mal à l'intégrer dans l'équipe, pour l'instant. Ouais. Ouais, je vais avoir du mal pour l'instant, parce que maintenant, on a... Parce qu'on est comment maintenant, niveau double type, maintenant, avec les quelques changements qu'il y a eu, là, récemment. On a un feu électrique, sol et ténèbres, insecte, spectre. Au psy, donc là pour l'instant on est juste pas mal. Là on a un problème au niveau du psy, et là on a un problème au niveau du feu. Ok, psy et feu du coup qu'on a en double. Donc ça va, on s'en sort comparé au début, ça va un peu mieux. Bref, maintenant que j'ai fini de parler et que 4 minutes sont passées, voilà comme d'habitude, hein, clairement Jaco et les intros, on doit aller au Pokémon World Tournament faire un petit combat. Oh, une poubelle, attention. C'est vide, malheureusement. Est-ce que t'as quelque chose à m'offrir? Continue tout droit. Ah, dommage. Ouais, du coup, je ne sais pas à quoi m'attendre. Ouais, en plus, le combat va être sacrément dur. Oui, ok. Du combat, en plus, va être sacrément dur, donc je ne sais pas à quoi m'attendre, hein, clairement. Voyons voir. Qu'est-ce que vous... Ah, madana, je connais toutes les capacités que les Pokémon apprennent en grandissant. Je peux leur rappeler s'ils ont une... Enfin, si tu as une écailleur, ok, ça peut être intéressant. On peut voir ça. On fait un tour de table. Félicité. Qu'est-ce que tu pourrais apprendre? Danse flamme, éclair, toilette, leg, tombe de choc, vol mythique, est un seul, oui, non, pourquoi pas, hein, intéressant. Ouh là, oh là, tonnerre, oh. Et vortex magma, relais, ok, de bonnes attaques, hein. Je serais tenté de remplacer Fatal Foot par tonnerre, parce qu'au moins, ça serait beaucoup plus précis. Ouais, on va faire ça.
Je suis pas fan de Fatal Foudre. Mais je préfère avoir une attaque qui ne rate pas. Ok, mais sinon les autres attaques, comparé à ce qu'on a, ouais. Ok, parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut, on peut avoir sur Smidashu? Voyons voir. Aquajet, aboiement, non c'est nul. Tir de boue, draco souffle, flatterie, ça pourrait être intéressant. Coup de boule, ouais. Bulle de boule, oh. Lanceur se roule en boule et écrase son... Ah oui, non, mais non. Maintenant Smidashu est sur le spécial et elle a pas l'air d'avoir beaucoup d'attaques spéciales. Hein. À part danse du feu, le lancer enveloppe l'ennemi de flammes peut aussi augmenter l'attaque spéciale du lanceur. Pouvoir 5-80-100, c'est intéressant, je veux bien l'apprendre. Et on va enlever Mawashigiri. Ouais, on va enlever Mawashigiri. Ok. On fait un petit tour de table, hein. J'aurais dû faire ça en off, hein, je suis désolé. Ensuite, voyons voir avec Abigail. Abigail qu'on a depuis le début, donc je pense pas. Ou quand même, point ombre. N'échoue jamais, non c'est pas une attaque de priorité malheureusement. Acrobatie, ouais, elle a pas de défense. Bon, elle a pas l'air d'avoir... Oh non, elle a pas grand chose. Elle a pas grand chose pour Abigail. Ensuite, Phil. Voyons voir Phil, pareil on l'a depuis le début donc je sais pas. Toi les legs, vibre à quoi, rafale piscine, Octazooka. Quand même de bonnes attaques, non ouais, non, rien du tout qui nous intéresse. Ah peut-être si Saumur. Attendez, Erdo, pardon, pas Saumur. Est-ce que... Ah, c'est plus puissant que Saumur. Bah, parfait. Parfait, ça nous fait une meilleure attaque de type O. Pour l'instant, on n'a pas... Ah, quoi qu'on va bientôt apprendre Surf, vous allez me dire. Ouais, je sais pas. Et pour celles et ceux qui me demandent pourquoi j'ai autant d'Ekaikers, le centre Pokémon qu'il y avait sur la route possède un shop qui vend des Ekaikers. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Là, j'avoue, j'aimerais bien tomber sur une attaque de type Plénitude, genre de choses, là. Non, t'as pas ça. Ah, dommage. Dommage, dommage, elle a pas de truc pour augmenter. Voyons voir. Ensuite, là, le Pokémon le plus intéressant, à savoir Akemi. Est-ce que tu aurais pas une attaque pour Akemi? Ah ouais. Je pense qu'on va prendre pas mal de choses là. Hein. Tranche nuit, ouh, ça pourrait être intéressant ça, tranche nuit. Force cachée, Eldacier, ça pourrait être très intéressant. Point d'art. Oula, point d'art, ça fait 100-100, what the fuck. Le lanceur attaque en fouettant l'ennemi de ses bras épineux, peut aussi apurer l'ennemi. What? Attendez, c'est pas censé faire 100-100 normalement. Oh, il peut prendre jugement. Ça irait bien avec le Pokémon, mais malheureusement, c'est spécial. Du coup, là, on va prendre pas mal d'attaques. Hein. Ah, c'est cool. Bah, déjà, point d'art à la place de canon graine. Hein. Bon, bah, du coup, ouais, c'est clairement plus intéressant. Donc, ouais, on va faire ça déjà dans un premier temps. Je pense aussi qu'on va prendre. Non, reste, s'il te plaît. Reste. Parce que Akemi, il n'y a pas du tout d'attaque, donc là, ça m'arrange clairement. Ensuite, on va prendre. Tranche nuit, oui. Clairement, tranche nuit, ça peut être très très intéressant par rugissement. Ça nous fait une bonne attaque ténèbre contre les types 6, c'est plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais prendre? Je serais tenté de prendre jugement juste pour la forme, mais bon, on va déconner non plus. Force cachée. Eldacier, hein, ça serait sympa d'avoir un vrai stab, même s'il est pas. Même si une attaque acier, ça sert pas à grand chose. Même si une attaque acier, ça ne sert pas à grand chose. En vrai, je serais tenté de garder Abîme juste pour le lol. Pour tenter de temps à autre. Ok, bon, on verra ça plus tard, ouais. Je suis capable d'identifier la puissance cachée. Ouais, non, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai personne avec cette attaque. Et toi. Ah, l'effaceur de capacité. Très bien. Bon, et ben voilà, l'intro était. Ça fait 8 minutes. Ah, désolé de vous avoir pris votre temps. Mais au moins, c'est fait. Ah, c'est là. Ah, ouais, c'est bon. Alors, ça en jette les petits. C'est le complexe du Pokémon World Tournament. Je parie que vous mouillez vos fringues avec des larmes de bonheur. Allez, amenez-vous, les ptios. Nice. Alors, on est paré. Ah, j'ai même envie de mettre Akemi devant. En fait, là, ah oui, non, mais c'est ça, en fait. Il faut juste que je remplace Abîme par Danslam. Et c'est terminé. Game over, on peut finir le jeu. Vous allez me faire le plaisir de participer au tournoi de Poirier 9. Pas de règles, tout est permis. Ce que je préfère, avec 8 participants, il faut rétamer 3 adversaires pour gagner. Pourquoi moi? J'ai dit que j'avais une enquête à mener. Allez, Chiren, fais pas ta sucrée. S'il y a quelqu'un qui sait faire comprendre que se battre avec les Pokémon c'est drôle, bah c'est bien toi. Et t'as bien besoin de te détendre, crois-moi, t'es pâle comme un chèque en blanc. Et puis t'as plus tes amis, t'es jeune, t'es du chien et les filles attendent leur nouvelle star. Alors pas de chichi, tu vas à l'accueil pour t'inscrire. On t'en fera pas, Bardana. Mais le tournoi en tant que tel a l'air prometteur. Bon, allez, puisque c'est comme ça, je passe aux inscriptions. Ah, moi aussi. Jaco, toi aussi, moine-toi, un bon petit combat, ça nous fera du bien. Très bien. Oui, madame. Comment ça marche exactement? Ok, va falloir y aller.
La dame en vert, bienvenue au Poké World Tournament. Voulez-vous vous inscrire? Oui, je souhaite m'inscrire. À quel tournoi voulez-vous participer? Le pourroi de Notorio 9. Veuillez choisir les Pokémon que vous voulez inscrire. Très bien. Et ben du coup, on va lead avec Akemi. On va garder Mélodie, forcément. Je me prendrai bien... Félicité, hein, vu que... Ouais, non, on prend tout le monde, c'est ça? Ah non, seuls 3 Pokémon peuvent participer. Non, pardon. Donc, Akemi et Mélodie, c'est sûr. C'est nos deux meilleurs. Et Félicité, oui, parce que bah, c'est la toute nouvelle et que vous voulez la voir se battre. Très bien, les inscriptions sont terminées par ici, je vous prie. Ok, va pas falloir se chier. Je sais pas du tout combien... Du coup, en fait, l'épisode va juste être... Ça va juste être ça, en fait. Je suis en train de réaliser. Avec mes conneries de début d'épisode. Désolé. Ça nous fait combien de combats? 1, 2, 3. Ouais, 3 combats. Tournoi de Porioneuve, combat solo. Oye, oye, il est l'heure pour les inscrits de se réunir. Le tournoi de Porioneuve est officiellement ouvert. Le tournoi de Porioneuve va commencer. C'est sa première tentative. Veuillez accueillir Jaco. Ouh. Non? La personne qui me... Ok. En deux chiens. ensuite, en face. Et voici Thomas, lui aussi parti de Pavonnet pour s'entraîner. Ah oui, on apprend direct le rival. Allez, premier round, Thomas versus Jaco. Stylé de ouf. Ah, c'est stylé. Ah, ce vieux Bardan, il aime les décos qui flashent un max. Bah, allez, c'est parti pour le duel. Allez, combat contre Thomas, les amis. C'est parti. J'ai sûr que ça va bien se passer. Voyons voir. Un Clamalis. Un Clamalis? Ah, waouh, oui, d'accord, oui, ça y est, c'est son... Oui. Ok. Ok. Donc, ok, donc le Pokémon de type eau... Ah, est-ce qu'il est eau plante ou eau ténèbres, du coup, je ne sais pas. En tout cas, on a point d'art, donc ça me semblerait être super efficace. Ainsi, les plantes... Ah. On va tout défoncer avec Akemi. Et on a impudence. Ah, let's go. Vas-y, amène-toi. Amène-toi, amène tout ce que tu as. Je... Ouais, amène tout ce que tu as. Point d'art. C'est neutre. Je sais pas. Ah, c'est... Pff, ouais, non, ça fait super mal. Exploforce. Alors ça, on peut... Est-ce qu'on craint Exploforce? Je pense, hein, vu qu'on est de type acier. Ah, mais on résiste tellement. Allez, second point d'art. C'est parti. Allez. Deuxième impudence. Let's go. Lutte calibrée. Oh mon dieu, mon Lugia, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Est-ce que je peux voir les augmentations de stats, hein? Non, non, on avait dit que non avec Mélodie. Lutte calibrée, si t'es de type psy, là, tu vas crever, hein. Tranche nuit. Heureusement qu'on a pris cette attaque. Non, ok, il craint pas. Racine. Si tu crains pas, ça veut dire que tu es sans doute de type vol-combat, à mon avis. Vol-combat. Ah, du coup, j'ai pas spécialement d'attaque contre toi. Je vais essayer de spammer le point d'art. On est à plus 2 avec impudence, donc voilà. J'ai rien à dire. En toute honnêteté, j'ai l'impression que c'est de la triche et que je devrais laisser Akemi dans le PC, à vrai dire. Et le vainqueur du premier round est Jaco. Ah, ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai l'impression que tes Pokémon aiment se battre à ta côté. Ah, waouh, Akemi. Je t'aime. Il est temps de connaître le résultat des autres combats. Tournons-nous tout de suite vers l'écran géant. Tout à fait, Thierry. Premier tour, Toba contre Jaco. Le suspense était à son comble, mais nous avons un vainqueur. Eh bien, c'est Jaco. Ah, premier tour aussi. Un point d'interrogation, une fille dont on ne connaît pas le nom, contre Chiren, ce bon vieux Chiren. Eh bien, Veni, Vidi, Vici, comme on dit, hein, une victoire écrasante de notre cher Chiren. Ah, et premier tour, Pascuel contre Nicolai. Nicolai n'aura pas laissé le moindre chance à son adversaire. Félicitations à lui. Ah, quelle ténacité chez les deux adversaires. Shaw a vaincu in extremis, Sealing. Ah, place au combat suivant, les amis, le round second. Je suis le commentateur. Ok. Il comble sans relâche pour son idéal, le jeune dresseur Chiren. On s'éclate ici, hein. Courage! Eh hey, oh oh! Non, non, c'est moi qu'il faut encourager ici, les gars. Hein. Deuxième round, Chiren versus Jaco. En fait, c'est ce genre de tournoi où genre j'ai un Pokémon qui triche, et du coup, tout le monde veut me voir perdre, parce qu'il est trop pété, mon Pokémon. Tu as été mon premier adversaire lorsque je suis devenu champion d'arène. Je suis vraiment ravi d'avoir l'occasion de t'affronter à nouveau. Tu vas me montrer ce que tu as appris des Pokémon et les liens que tu as noués avec eux au fil de ton voyage. En garde! Allez, Akemi, on y retourne. Je sais pas si t'as été heal, j'espère, ça serait bien. Ectoplexie, machin truc. Ah oui, ce truc que je ne sais absolument pas du coup son double type. Point d'art.
est super efficace. Non, ok, il résiste bien en plus. Mais il a la trouille, ça c'est nice. Le truc c'est que j'ai pas envie de switch sur Félicité, je sais pas si ouais je peux la tuer correctement. Tantôt, ah mais non, j'aurais dû faire tranche nuit, je crois que tranche nuit c'était super efficace sur le spectre, c'est absolument pas. Morsure, non ça on résiste. On fait zéro dégâts, on est type acier donc forcément on a une bonne défense, enfin... Même notre... On a les stats de Itran, et j'ai regardé, il a vraiment pas mal de résistance. Bon, en tout cas, on lui fait rien comme dégâts. On lui fait rien comme dégâts, son attaque augmente, ouais, donc je vais vite m'en débarrasser avec un petit tranche nuit. J'ai même pas regardé le level qu'ils sont, ouais, non, level 20... Ah oui, attendez, une seconde, ils sont level 25? Pourquoi ils sont aussi hauts? Ah, ils ont... Ah, c'est bugué? Ah, il a pas été augmenté... Pourquoi il est level 25? Je viens de capter, moi. Ah oui, mais du coup, c'est... Ah oui, non, mais tu m'étonnes que du coup, on les défonce. Attends, je viens de capter juste à l'instant, mais oui, du coup, c'est normal. Enfin, quoique, il tanque plutôt bien une Akami. Bon, on est level 25 tout de même, hein. Bon, par contre, il s'est placé, c'est un peu chiant. Point d'art, est-ce que ça peut le terminer? Ouais, là, ça le termine. Pour le prochain, je vais tenter un abîme. Voilà. Non, mais du coup, en fait, je me la pète depuis tout à l'heure, mais j'ai pas du tout capté que... J'ai pas du tout capté que ouais, effectivement, ouais, ils sont... Ils sont level 25, donc en fait, je me la pète pour rien. Bah oui, c'est normal que je les défonce. Ah ouais, ils sont level 25, je sais même pas pourquoi. Ah, c'est dommage. Je me suis tellement... je me suis tellement pété. Magnifique, vous êtes devenu vraiment très fort, toi et tes Pokémon. Bon, après, il faudra que je revoie si Chiren... Enfin, peut-être que c'est que Chiren qui a bugué. Peut-être que le rival était pas level 25, je n'ai pas vu, je n'ai pas fait attention. Et le vainqueur du deuxième round est notre cher Jaco. Oh, les petites confettis. C'est grâce aux Pokémon que je suis parvenu jusqu'ici. Peut-être que les Pokémon nous aident à non... Peut-être que les Pokémon nous aident non pas parce que nous sommes leurs dresseurs, mais parce que nous sommes tous des êtres vivants. Oui. Très bien. Oh, on sent les autres dresseurs. Regardons l'écran géant. Thierry, c'est à toi. Eh oui, mon cher. Deuxième tour, Jaco contre Chiren. Un combat qui rentrera dans l'histoire. C'est moi qui vous le dis avec le nom du vainqueur, Jaco. Aïe, pour le second tour, Nikolai contre Cho. Une victoire nette et sans bavure de notre dresseur Nikolai. Ah, qui sortira victorieux du tournoi de Port-Lieu-Neuve? C'est tout de suite à vous l'appareil, Michel. Eh oui, si l'issue de ce combat lui est favorable, ce sera sa première victoire au Pokémon World Tournament. Veuillez accueillir Jaco. Spectaculaire. Bats-toi. C'est ça. Ouais, enfin, s'ils sont level 25, du coup, c'est même pas... Tournoi de Port-Lieu-Neuve, c'est le dernier round. L'adversaire entre dans l'arène. Et voici Nikolai. Il cherche à tirer tout le potentiel des Pokémon. Pas de pitié, tu peux y arriver. Spectaculaire, oui, bon, pourquoi vous dites spectaculaire? C'est même pas un mot spectaculaire. Enfin si, mais tu dis pas ça, je sais pas. Dernier round, Nikolai versus Jaco. Allez, c'est parti. En tant que serviteur de la science, la réalité et l'idéal que je cherche ne sont rien moins que la force originelle des Pokémon. Comment pourrait-on l'éveiller? Je veux croire que la méthode traditionnelle est la meilleure pour y parvenir, celle de la confiance mutuelle entre Pokémon et dresseurs. Je serais ravi que tu me démontres le bien fondé de cette conjecture. Ouh! Let's go! Gros combat! Allez, dis-moi que t'es pas level 25, parce qu'en fait, c'est ridicule. Je réalise maintenant que je me la pète et que, bah, en fait, ils sont nuls. Oh, la musique est cool! La vache, gros tas d'ocus. Oh oui, la musique! Oh! Doum, doum, doum. Oh, et purée, non, ils sont bel et bien level 25. Je ne sais pas pourquoi, c'est bugué. Bon, bah, abîme. Oh, ça a passé! Let's go! One shot. Ah, MDR. Terry, Barry. Attendez, je peux continuer? Re-abîme. Ah non, dommage, il a évité. Chargeur. Oh, la musique est incroyable. Tintin. Ouais. Oh, les musiques de la 5ème génération, quand même. C'est quelque chose, quand même. Hein. On va pas se mentir. Bon, les points d'art. Ah, du coup, en vrai... Ah, du coup, en vrai, putain, c'était de la merde, en fait, ils étaient level 25, je l'ai pas du tout capté. Je me suis dit, bah non, ils sont level 40, quoi, ça me paraît normal, mais du coup, c'est tellement débile. Ah, il est mignon. Ça meurt. J'aurais dû faire un dernier abîme. Au moins, on en a eu un, c'est déjà ça. Bon, bah, c'était... Ouais, bah, malheureusement, du coup, il s'est pas passé grand-chose sur ce tournoi, c'était rigolo, mais... Ouais, stupéfiant, ce combat m'aura appris bien des choses. Ah, non, je m'en veux, hein. J'aurais vraiment dû capter que c'était level 25. Et le vainqueur est... Oui, c'est moi, Jaco. Nice. Je ne m'en attendais pas moins de toi. Tes Pokémon ont de la chance de t'avoir. Ainsi, ils peuvent tirer le meilleur d'eux-mêmes.
Le tournoi de Poirier 9 touche donc à sa fin. À très bientôt pour de nouveaux combats. Nice. Mais bon, c'est un peu de la triche. On était level 40, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Félicitations, vous avez remporté le tournoi de Poirier 9 et accepté les points de combat qui récompensent le vainqueur du tournoi. Waouh, j'ai reçu un PCO. Pourquoi un seul? Revenez quand vous voulez. Vendu, c'était du spectacle ça, avec ça tout le monde va vouloir s'inscrire, je vous le dis. Ah tiens, bah tiens. Hey, yeah, je vais vous en donner moi du spectacle avec moi sur cette scène, je vais tout twister la tête, ça sera la foule en délire, le vrai, ça va être rock'n'roll. Ah bah si j'avais pas raison, je vois ça d'ici, les champions du monde entier qui participent des têtes d'affiche, pas possible, un niveau sans pareil, je me ferai du pognon monstre. J'aime l'argent, je vais me les faire transmuter en platine mes gourmettes, c'est moi qui vous le dis, j'espère que vous allez continuer à participer les jeunes. Ah, il est très content de lui. Ok. C'est tout, si les champions du Nice participent, c'est qu'on doit pouvoir affiner sa technique, oui. Et toi, j'aurais bien voulu être le premier gagnant pour le premier tournoi, mince. Oui, bah, ché. Non, parce que, du coup, en fait, c'était de la triche, j'étais level 40. MDR. Allez. Vous avez vraiment changé, vous n'avez plus rien à voir avec les débutants prometteurs de Pavonnet. Les Pokémon font décidément grandir tous ceux qui voyagent à leur côté. Ah. Ah bah tiens, c'est un type plasma, ça, hein. Bonjour. Mais c'est... Mais il faut le stopper! Allez, Jaco, suis-moi, on le rattrape! Je ne ferais pas cela si j'étais vous. Ah, Nicolas, à quoi vous courir des risques inutiles? Le chat crépant, bon sang! Le chat crépant de McFrangine, il était peut-être juste là! Le mec, il y croit, hein. Je file aussi, je m'en voudrais s'il lui arrivait quelque chose. Quelque chose à ajouter, Nicolas? Je ne comprends pas, ce n'est pas de la témérité, mais de la bêtise. Un dresseur est capable de tout s'il a ses Pokémon avec lui, n'est-ce pas? Ou peut-être pas, en fin de compte. Le lien entre les dresseurs et les Pokémon, ce sont les Pokéballs. Si les dresseurs avaient confiance en leurs Pokémon, ils n'auraient pas besoin de ce médium. Tu te vois traverser d'immenses routes avec 6 Pokémon à tes côtés? Ça paraît vite compliqué, mon pote, hein. C'est... Peut-être que les Pokéballs, au final, c'est juste un moyen de locomotion pour les Pokémon. T'as pensé à ça? Non, mais sérieusement. Bon, après, c'est sûr, je dis pas non. Si j'avais Akami à côté de moi, ça serait pur stylé. Je dis pas non. Mais bon, quand même. Je me suis fait soigner, on est d'accord? Oui. Ok. Et on va garder Félicité devant. Oh, une Pokéball. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Danseflamme. Je prends... une seconde. Est-ce qu'on peut envoyer une canne à... Non, on peut pas envoyer une canne à pêche. Malheureusement. J'aurais voulu, mais je n'ai pas l'impression qu'on puisse le faire. Est-ce qu'ils sont partis par là-bas? Un bateau est fait pour traverser la mer. Il s'ennuie dans son port. Quoi? Oui. Ouh, où est-ce qu'on est? Ce bateau, on se les pèle, non? Perspicace. Surtout... Ah, ça ne fait aucun sens, d'autant que le vieux navire n'est qu'une façade. Quelle importance, puisque vous allez être réduit en bouillie. Alors, c'est la base secrète de la Team Plasma? Ah! Bonne réponse, comme vous pouvez le constater. Ces dialogues sont infernaux. Ça fait aucun sens, on décousu. Enfin, c'est... On aime bien être en groupe, en grand groupe. Alors c'est d'où? Vous devrez appeler ça du renfort. Vous devrez appeler du renfort. Ah ah ah, plus grande bouche qu'un brouhaha, me dis donc. T'inquiète, tu vas bientôt avoir la tête d'un Miasmax Plasma en avant. Je vous avertis, j'ai la grave la haine là. Yes, les enfants d'abord. Ah, ah, il me laisse même pas le temps de finir l'épisode. Ok. Ok. Quand je dis ça, mais il s'est pas passé grand chose. C'est juste moi qui parle et moi qui défonce des gens. Après, c'était rigolo, hein. Vous allez pas dire le contraire. Hein. Camille, elle était rigolote à regarder. Félicité sur son premier combat contre un Pokémon de type vol. Tonnerre. Au revoir, Lorino Mila. Ah là, tu vas clairement décéder. Ah, c'est pas super efficace. Oh, t'es quand même mort. Ok. Next, Flibéflore. Bah, parfait. Je crois que c'est un... Ah, je sais pas. Bon, on va tenter le Flamme Croix. On verra bien ce que ça donne comme résultat. Je sais pas s'il est dragon plante, s'il est dragon sol plante, je sais pas. Mais en tout cas il prend cher, il a Techno Buster. On va voir les dégâts. Ok, non, c'est bon. Tank plutôt bien. Tu sais quoi, je vais t'envoyer moi mon Techno Buster. Faudrait que je trouve des modules, ça pourrait être stylé. Un module feu. Si je trouve un module... Ah non, bah non, non. Bah non, on a déjà Flamme Croix. Oui, donc je suis bête. Tu es donc un dresseur qui se bat en faisant... Ok. Par contre, un module glace, à la limite. Parce qu'on est déjà... Ouais, on a déjà nos deux stabs. Ouais, un module glace, ça pourrait être super cool. Suivant, pulvérisez-les. À mon tour. Pardon, à Miasmaz. Et j'ai pas compris le dialogue, du coup, je l'ai mal... au niveau de l'intonation, je l'ai mal fait. ok. Allez, envoie-nous ton Pokémon Astrobios. Ah oui, c'est celui-ci.
Pokémon Insecte Psy. Donc, le Team Flamecroix, il va partir. Allez, Flamecroix, let's go. Let's go. Tellement stylé. J'avoue, je kiffe Jean-Paul. Entendons-nous. Mais on va pas se mentir, Félicité me semble bien plus puissante que Jean-Paul. En vrai. Donc, est-ce qu'on garde Jean-Paul? Est-ce qu'on garde Félicité? À vous de décider. Je vous laisse le choix. De toute manière, j'ai mon équipe. Moi, je suis content. J'ai ma Akami. Waouh, monsieur, vous êtes pur style. Mais ça meurt. Enfin, j'espère. Garde mystique. Ah! Ça, c'est un problème. ça, c'est un gros problème. De quel type tu es? De quel type tu es? Va falloir tout balancer. Garde mystique, non. Détrempage. Ouh la vache. Alors là, les amis, c'est un gros problème. Alors, je ne sais pas de quel type tu es. Garde mystique. Motorisé. Ah non! Ah, du coup, ce talent est excellent. Je pensais qu'on se prenait quand même l'attaque électrique. En fait. Il est spectre. Ah, ça, c'est une info qui m'intéresse. Ça, c'est une info qui m'intéresse. Tentons un tranche-nuit de Akami, du coup. Ouais, problématique ce Pokémon. On n'a pas d'attaque de type tempête sable ou ce genre de choses. Donc, ouais, compliqué. Je ne sais pas du tout son double type. Mais peut-être que tranche-nuit peut le faire. C'est bon. Est-ce que t'as qu'un PV, du coup? On ne le saura pas. Mais probablement. En tout cas, t'avais l'air d'être super fragile. Il était quand même stylé, hein, en termes de tronche, je trouve. Pas très stylé. Miraltou, on t'a assez vu Akemi, en vrai laisse la vedette à notre chère Félicité. Je pense qu'on t'a assez vu Akemi. On a compris que t'étais puissante, trop puissante même pour ce jeu. Le petit Miraltou, ouais bah parfait, on a tonnerre, on a plus de PP. Elle nous a défoncé avec les dépits. Allez, le tonnerre qui est super efficace, c'est nice, et ça tue, parfait. Et le level 42, merci bien. Nice. Nice. Pourquoi? C'est quoi cette attaque? C'est quoi, hein? Ouh la vache! Le lanceur donne un coup avec sa tête, couronné d'une fière crinaire. Blesse aussi légèrement le lanceur. Ah, c'est l'attaque de Frison, je pense. Mais, non, la vache, les attaques qu'elle peut apprendre, Félicité, c'est quelque chose quand même. Hein. Mais non, on va garder les anciennes capacités vu qu'elle est sur le plan spécial et que cette attaque était sur le plan physique. Parfait. Et du coup, c'était tout. Très bien. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres? Ou est-ce que je peux arrêter mon épisode ici? Mais ça suffit, enfin, on croirait le fantôme de l'autre gêneur il y a 2 ans. Bah, c'est typiquement ce que je suis, hein. T'as besoin d'aide? Je gère, va donner un coup de main à Chiren plutôt. Bon bah on va y aller, à la dégo Ayal, 2 contre 1. Ah mais Jaco, ah bah je pense qu'il est temps de leur montrer ce que nous pouvons faire ensemble. J'aurais dû me taire et continuer l'épisode, enfin finir l'épisode. Allez, petit bonus. Petit bonus. Let's go, voyons voir. Est-ce que t'es level 25? J'espère pas. Tira Noir, Dimopardus. Ouh, oh waouh, Dimopardus, excellent. Hein. Allez, félicité contre... Ah oui, le truc comme ça, mais non, là il est bien level 38. Par contre, félicité, je ne l'ai pas heal, c'est un peu problématique. Cependant, Dimopardus, peut-être qu'il est de type glace. Ah, c'est vrai, j'ai plus d'attaque. Galère. Ouais, bah du coup, on va switch. Et on va envoyer petit fil. Ouais, on va envoyer fil pour le tyran noir. Ouais, ça va être problématique, félicité, avec ses peu de PP, hein, clairement. Lance-soleil. Ah non. Avec un peu de chance, il a tapé le gars de droite. Éclair fou. Ok, il tape lui. Est-ce que tu le défonces? Pas trop, non. Ok, extra senseur. Ok, ils ont focus le ectoplexi. Peut-être qu'une Tellurie Force peut le défoncer. Voyons voir ça. Je crois que c'est super efficace sur un type glace. Non. Ah, et on le défonce pas. Lance-soleil qui part. Et c'est sur nous. Aïe, on tank, ça va. Éclair fou, j'espère qu'il le termine. Ok, bon voilà, au moins un de fait. Les restes qui va un peu nous remettre, qui va nous remettre bien. Extra senseur, toujours sur lui, donc ça m'arrange. Il a quoi, les restes lui aussi? On a une Bécitrus. Une Bécitrus, c'est ça. Et nous, on a les restes. Et ça nous remet bien, Oh, pas trop, non mais je suis quand même. Marbutoke. Ok, il n'y a pas grand chose qui change. Erdo sur le tyran noir. Allons-y. Je sais pas si ça le finit. Oh, j'aimerais bien. Dommage. Machouille. Ah oui, non, c'est pas. J'ai cru que c'était sur moi. J'ai eu super peur. Mais non, c'était sur le tyran noir. Parfait.
Faut juste voir les attaques de ce Marbutoke. Electacle. Ah bah ça c'est bon pour moi. Allez, il faut que tu tankes, c'est qu'un Marbutoke. Oh putain de boule la vache. Bon la paralysie, je m'en fous, mais on a tanké, on a tanké. On a tanké. Fou. Fou. Fou fou fou. Ah c'était pas, c'est pas passé loin, c'est pas passé loin, c'est pas passé loin. Gros Tadoucus. Très bien, et il envoie cette chose. Que vais-je envoyer? Que vais-je envoyer? Que vais-je envoyer? Petite équipe. Ah, j'aurais dû envoyer Smidash. Mes excuses. J'aurais dû envoyer Smidash, je pense. Ça aurait été plus intéressant. Envoyer machin truc. Éclair fou sur lui. Du coup, il n'est pas de type sol. C'est très intéressant. Il est de type eau. Ok, plaquage sur ma tronche, bien évidemment. Mais je suis de type acier, donc tu dois faire 0 dégâts. Par contre, tu peux, oui, me paralyser. Tu es très très chiant. Sache-le. Electacle qui part sur ma tronche, toujours. D'ailleurs, vous voulez vraiment me focus à ce que je vois. Hein. Vous voulez vraiment me focus. Allez, le petit tranche nuit. Ah, j'aurais peut-être même dû faire point d'art, peut-être. Je ne sais pas. Peut-être. Allez, le dernier éclair fou. Est-ce que ça va le tuer? Non, ça ne le tue pas. Moi, je pense que je le tue par contre. Ok, on le tue. Super. Super efficace, coup critique. Bon, ça n'a pas joué. L'impudence qui est là. On est très très bon. Brouhaha. On va voir les dégâts que ça peut faire. J'espère pas trop. Ouais, non, ok, d'accord. D'abord, ça fait ça. Ok, pas très efficace. Ok, donc tout va bien. Et là, je vais faire un petit point d'art. Ah ouais, mais quand qu'il est poison. Je sais pas. On va voir les dégâts que ça fait. Après, on est à plus 1 grâce à impudence. Coup critique, ça c'est caille. Ça c'est cool. Le brouhaha qui continue. Bon, c'est sur le. Donc moi, je m'en fous. Le point d'art. Ouh, quand même les bons dégâts. Oh, les bons dégâts. Cet Akami va me faire tellement plaisir. La deuxième impudence. Il y a encore quelqu'un? Parce que là, il passera un certain moment. Enfin, un mauvais moment. Non, c'est bon. Ils ont perdu. Ok. Est-ce que je peux terminer mon épisode là? S'il vous plaît. Ah, merci pour ton aide. Tu as fait beaucoup de progrès. Je pense qu'il est temps de voir si Thomas n'aurait pas à son tour besoin d'une main secourable. Non. La main secourable attendra. Elle attendra. Ah oui, d'accord, je suis vraiment dans... je veux partir. Ah, je peux. Ah, je peux partir. Je peux partir. Ah, mais ils sont stupides, ces Team Plasma. Bon, bah, je peux partir, les amis. Bon, bah, comme ça, je pourrai aller me soigner pour le prochain épisode. Parfait. Bah, cool. Franchement, très cool, cet épisode. On a pu voir Félicité, on a pu voir Camille. Franchement, ouais, je... Ouais, Jean-Paul, je l'aime beaucoup. Bon, c'est Brasé Gali, en plus Archiduc. Le sprite était super cool. Mais on va pas se mentir, Félicité a clairement l'air d'être plus puissante, malgré le fait que, bon, les PP sont un petit souci avec elle. Est-ce que vous préférez Jean-Paul? Est-ce que vous préférez Félicité? Dites-moi en commentaire. En attendant, du coup, moi, je vais m'arrêter là. Akami a été incroyable aussi, hein, faut pas l'oublier. Même si c'est vrai que je me la suis pété, mais non, ils étaient level 25 dans l'arène, enfin, dans le tournoi, donc ouais, c'était normal qu'on les défonce. On n'a même pas joué franc jeu en lançant Akami, frère. Mais bref, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, activer la cloche, mettre un petit commentaire, écrire un petit commentaire, mettre un petit pouce bleu, je m'y retrouve plus. C'était Jaco pour vous servir, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine. On se donne rendez-vous la prochaine fois pour la suite de l'aventure. Portez-vous bien, allez, d'ici là, ciao ciao et des bisous tout le monde. J'aime bien mon équipe là. Là c'est... Avant on était un peu dans la merde, là on commence à repartir, ça fait plaisir. Et puis je me retrouve quand même avec 3 légendaires et ça faut le souligner quand même.